Monsieur le vice-ministre, merci beaucoup, Madame le Président. Je remercie de me donner la parole. J'aimerais remercier notre collègue du Venezuela. Au Chili, aujourd'hui, après ce qui s'est produit lors du séisme de 2010, nous avons vu qu'il était nécessaire d'améliorer notre capacité de riposte aux catastrophes. Et je crois que pour une majorité d'États, on ne se prépare pas à ces événements qui ne sont certes pas fréquents, mais qui arrivent tout de même, comme les séismes ou les tsunamis. Et le tsunami a montré également quelle était la valeur de la biodiversité et également la nécessité de protéger l'infrastructure et la population. Et nous faisons donc tout notre possible pour protéger également les zones humides. Aujourd'hui, le Chili a mis en place un centre de recherche national sur les catastrophes naturelles qui vise à améliorer les capacités, à renforcer les capacités, également renforcer nos possibilités de recherche pour voir ce qu'il en est des zones inondables, par exemple, pour les projets immobiliers, ou encore agir en cas d'inondation et glissement de terrain, etc. C'est là un effort qui doit être poursuivi, et ce, dans tous les pays latino-américains, mais il faut absolument agir à ce niveau-là, et c'est ce que nous avons entrepris de faire au sein de ce centre de recherche qui compte 150 chercheurs.